On va pouvoir dire bonjour à la VOD. On va se lancer dans une nouvelle émission. La VOD. On est toujours sur la bêta de Warhammer 44 Darktide. On est toujours avec Katox, Akatsuki et Damned. Salut, salut. Et bon, on est prêt pour une nouvelle mission. On se tente une mission à deux de difficulté. On doit assassiner quelqu'un. Très bien. On peut s'attendre à un genre de mini-boss peut-être, je ne sais pas. Bah bon, assassiner des gens, c'est ma vie. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois que la Valkyrie est totalement calculée pour mon personnage. Bah, c'est pas mal, en général, c'est un peu pété quand t'as un gros perso comme ça, mais bon, on faudrait que c'est concis pour quoi. Je commence bien, on est dans de l'eau dégueulasse. Ouais, on doit commencer par des égouts et après atteindre les rues, depuis les égouts. Les fameux égouts. Et on doit récupérer des grimoires comme objectif secondaire. Ouais. D'accord. Le grimoire, bon, déjà faut les trouver, de 1. Mais de 2, ça t'empêchera de transporter par exemple une réserve de munitions ou un medipack. Ouais, bah comme dans Vermintide classique. Plus t'en prends, moins tu peux prendre 2 trucs. Voire tu peux plus avoir d'armes. T'es pas encore au grimoire maudit, etc. Mais je suppose que t'auras quelque chose dans ce style là. Ah, comment t'entends des. C'est un bruits. Peu dégueulasse ici. Mais non. Regarde, tous ceux qui vivent dedans ont l'air totalement sains d'esprit. Moi je reste avec l'ogre. Déjà parce que c'est un ogre et en plus parce que c'est celui qui connaît le jeu. C'est pas faux. Simple et efficace. Faut que je fouille un peu pour. Oui, bah j'entends bien. On va essayer de trouver les grimoires justement. T'as vite fait d'en rater un. Ah bah de toute façon, et puis c'est pas le genre de jeu où tu fais demi-tour quoi. Oh, il est hyper. Ah non, je me disais, il fait hyper mal, mais en fait, oui, il fait pas non, trop de dégâts. A un... Il a un méga knockback. Il couche les ennemis. C'est ultra utile mais parce que du coup. Quand t'as par exemple un sniper qui commence à viser, mon rôle c'est de sortir ce. Une ce horde putain, une horde. Une horde. T'as une grenade sur ou pas moi. Ouais, j'en ai même lancé deux, mais la horde est là quand même. Hein. Faut pas lancer les deux dans la foulée. Hein. Non, non, décalé. J'ai pris cher. Hein. Bon, ça va. Mon perso, il est bon de loin, mais alors après. Ah, ça t'apprendra à rester avec nous. Regarde, t'es encore tout isolé. Bah... Je me suis pris un coup de lance-flamme dans la tronche, j'ai pas apprécié. Ah, j'ai tenté de le stun avant qu'il lance, mais... C'est normal, tout ce chaos dans une ruche. En fait, c'est plutôt calme, là. En fait, oui, c'est normal, dans la trois quarts des ruches, les... même le bas de la ruche, c'est de base des mutants. Ouais, c'est... et puis même oui, dans, les, dans les niveaux pas trop bas, c'est géré par les gangers. C'est ce qu'on voyait dans les Necromunda, les différents Necromunda. Voilà. On a pu en fait, présenter sur la chaîne, que ce soit le Higher Gun ou le Under Eye War. Necromunda, ouais. C'est un des mondes ruches les plus célèbres de l'univers de Warhammer. Ouais, c'est la gestion par ça, on peut se dire comment ça se fait qu'ils laissent ça comme ça. Mais en fait, tant que le truc fonctionne, ils vont pas intervenir, c'est tout. C'est voilà, tu vois le sniper qui est là-bas, je fais des pourquoi je peux pas te relever, fais chier. Parce que tu prends des balles. Ouais non mais j'avais pas le bouton pour te relever. Je vais m'occuper. Ouais non j'avoue le sniper... Ah il tabasse hein, il fait super mal. Il te repousse en plus, ça pique le fion. Moi non plus, j'ai pas le petit icône, mais j'ai quand même pu le faire au niveau de Damned. Bah, je pense que moi aussi ça relevait parce que j'ai l'impression qu'il avait l'air de bouger un peu, mais du coup j'ai lâché le bouton plusieurs fois parce que j'avais un doute. Tout va bien, on va dire. Bon, j'imagine qu'il y avait pas de grimoire là-bas du coup, Katox. Hein. On n'a pas vu. Attention au gros green. Je vais lui faire des dégâts. Bim! Ça suffit pas. Voilà, il a plus de tête. Il y avait un gros. Ouais, je l'ai décapité.
C'est quand même classe ce pouvoir. Hein. C'est assez compliqué à utiliser. Puis ça me rend fou quand je l'utilise trop. Est-ce que tu as déjà été sain d'esprit? C'est ça la question. Ça me rend encore plus fou. En fait, ça me donne des. Ça me charge en warp, alors du coup, c'est pas très très. Le warp, c'est pas forcément une bonne idée dans Warhammer 40. Bah, c'est ça. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué l'espèce de petit comité d'accueil qu'on a. Là, au niveau 1, t'en aurais eu 4-5, et là, t'en as directement 9. Alors quand tu te prends la volée de flingue, ça pique. Y a des munitions là, si quelqu'un souhaite. Bon. Pour avoir besoin de munitions, faut déjà avoir besoin de tirer à distance. Ouais, y'a Damned qui est à l'arrière donc. Oula! Wouhou! J'ai pris une grenade en pleine tronche! Je crois que vous avez tapé dans le truc qui explosait en fait au corps à corps. C'est un détail. Ah, y'a une station médicale là-bas. On va être suppress. Y'a un mitrailleur fou. Toi. Damn it, creve. Creve, fucking creveur. Allez, une boîte de munitions. Das to the hermetic. Petite méditation pour toi, Damned, là. Elle est en bas, là. Elle est en bas des escaliers. J'ai une boîte à munitions. Il y a un truc qui lance des... Je l'ai vu. Voilà. J'adore ce perso. Je trouve qu'il convient bien à ma façon de penser. Alors, par contre, comprends. Moi, j'ai plus rien qui s'affiche au niveau des pick-up et tout. Ouais, pareil, le truc E là, il fait plus rien. Là. Bon, après, c'est une bêta, hein. On rappelle. Bon, moi, je fonctionne encore. C'est réservé aux green, c'est tout. Ah. Si j'ai des grenades et. Horde! Allez, y'a! On les repousse! Et on tabasse! Oh le tas! Ma hache a besoin de sang! Je suis pas sûr que c'est très lore pour un zélote de dire ça. Ah oui, c'est vrai. Mince. Pardon, excusez-moi. L'empereur a besoin d'être. Que je bénisse ses corps. Voilà, c'est mieux. Oh merde, Arine, un détail de l'histoire, hein, tout dépend de quelle histoire. J'ai trouvé un grimoire. Ah, ah bah, voilà. Tu prends. Des munitions là si vous voulez. Et c'est normal que je perde de la vie. Il y a des chiens. Ah, il y a sans doute pour ça. Ah voilà. Ouais, joli. Bien joué. Si quelqu'un veut prendre le medical crate, du coup, voilà. On a déjà de la corruption là. La vache, pourtant il y avait une situation médique à peine en bas quoi. La corruption, c'est le violet, c'est ça qui nous empêche de regagner de la vie. C'est ça, ouais. Ah, qui descend notre maximum de PV. On peut la remonter que quand t'as une station médique. Ouais. Le clébard là. Ah putain, il m'a chopé. Merci. La corruption m'envahit. Voilà. En terre là, il y en a qui. Ah ouais, okay. Ça, quand je vous dis que. Que ça monte la difficulté, ouais. En fait, quand je dis que c'est exponentiel. Il faut rester un petit peu en groupe. Vous êtes tous deux à terre là? Ouais. Tous à terre, y'a plus que toi. Hein. Là, tu vois, ça a popé. On s'est pris le gros rush de gens. Et à l'arrière de la plateforme, a popé 4 flingueurs totalement fous. Qui nous ont allumé avec une vingtaine de mecs. Ok, moi je suis au sol. Tu sais rien faire, c'est juste. Voilà, ah ouais, bah c'est ça, j'étais en train d'essayer de sauver Annabella, sauf que au fur et à mesure que je la revivais, elle se faisait défoncer. Je crois que le chaos a vaincu. Ouais. Je ok, crains. C'est un échec, donc très bien. Donc level 2, c'est tendu. Et après, on n'a pas le stuff du tout. Hein. Oui, on est un peu à poil, on commence, c'est notre deuxième mission, quoi. Assez chaud, level 2, quand même. Mmh. Ouais. Ça picote. On a quand même récupéré un peu de plastacier. Bah, il te laisse. Incapable. L'empereur n'est pas content.
te laisse les loots et un peu de. Et plus tu progresses en fonction des points de passage que t'as passé, t'as plus d'expérience. Donc vraiment, Ah. quand tu rates au tout début, t'as 100 points d'XP et puis basta. Mais si tu rates vers la fin de la mission, il va parfois te filer presque 1200 d'XP en fonction de la mission, Ouais, quoi. t'as pas tout perdu si t'arrives Voilà. pas à finir le dernier truc, quoi. Voilà, Ah, t'es. genre, il te met 80% de l'XP si t'as fait à 80% de la mission, quoi. C'est ça. Ah, c'est Ça, c'est pas sympa. mal. C'est sympa. On Alors, relance est-ce du qu'ils vont coup? le garder? Ouais, attends, je rejoins parce que ça m'a déco. Ouais, normalement, Pas de oui. soucis. Parce que Non, c'est c'est bon. pas. Ouais, y a pas de raison qu'ils le gardent pas, ouais, ça reste légit, quoi. C'est quand même un jeu où tu lances une mission, ça te prend 1 heure, si tu perds tout à la fin parce que tu fais un mauvais move, bon. C'est Après, quand ça aide même un les peu petits. C'est vrai qu'il y triste. a C'est un moins de peu le faire cas du d'Ibrock, grind. hein. Ouais. Et moins de faire Non, du tu gagnes grind quand après même, avec mais ça. une misère, quoi. Ah Oui, bon, après ça je peut fais le stylé. s'affiner. Voilà, c'est ça. J'ai Oula. acquis l'arme C'est bon, favorite hein, que je suis j'avais revenu. utilisée. J'ai une baisse de FPS. D'accord, ok. T'as acquis ton arme favorite, Katox? Brace Ouais. yourself. Alors, on doit faire fonctionner. On doit faire refaire démarrer le truc qui a été désactivé, quel qu'en soit le coût. C'est Quel qu'en parti. soit le prix. Quel qu'en soit le prix, ouais. Donc on Donc peut nous, quoi. mettre. On peut envoyer Damned en premier, quoi. Si Vous c'est voulez. ça. Whatever it takes. Mais comme Sans je disais dépend. encore, Mission. je suis pas très efficace à courte distance. Quel qu'en soit le prix, je vous rappelle quand même que dans cet univers, il y a 10 000 psykers, d'accord, par jour, qui sont sacrifiés pour que l'empereur puisse vivre une journée supplémentaire. Ah bah voilà, je crois Donc, que c'était quel que Ardarim qui soit le prix, demandait ça tout va. à l'heure. Combien de psykers par jour l'empereur mangeait, bah voilà. Dix C'était mille. Warref, je sais plus. Normalement, Ouais, c'est à peu près ça. c'est 10 000 Vous savez? amenés par les vaisseaux noirs. Sachant que la possibilité d'avoir un psyker, c'est de genre un pour 1 milliard, un truc comme ça. Donc faut bien imaginer la grandeur du royaume. T'as compris le signe, hein. Si tu n'es pas sage, on t'envoie dans le vaisseau. Ouais, On amène je me demande, c'est pas si mal ici. les vaisseaux noirs ou les arches noirs en fonction de Et la l'empereur ressemble version. à quoi? C'est juste un vulgaire humain, quoi. Ça dépend à qui tu le demandes. Si tu demandes à qui est fan de l'Imperium, c'est une personne qui s'est sacrifiée pour que l'Imperium puisse vivre. Un dieu vivant. Blablabla. En Voilà. gros, Et... c'est. Tu vois un Space Marine, bah c'est ça, mais au naturel. Non, non, il est plus grand qu'un Space Marine. Oui, il est. Mais tu demandes à d'autres, c'est juste un cadavre sur un trône et un truc Ouais, mécanique. d'accord. Mais il est accroché à des machines qui le maintiennent en vie, quoi. Ouais. Ah oui. C'est les soins palliatifs extrêmes, quoi. D'accord. Mais voilà. Tu vois, quand Et elle, par c'est exemple, un. Annabella, quand elle parle de l'empereur, c'est le god empereur, quoi. Voilà. Voilà. Oui. C'est le dieu des dieux. Si tu dis pas du mal de l'empereur, sinon je te mets un coup de hache dans la trogne. Bon, sinon de base. Là. Quoi? Donc dites-vous qu'à chaque fois que je vous mets une balle ou qu'à chaque fois que je vous mets un coup de hache, c'est parce que vous avez mal pensé à l'empereur. Voilà. Dès que l'absent me fait exprès, c'est l'empereur qui guide mon bras. Voilà. L'empereur guidera mon bras. Pour l'empereur. Derrière toi, Annabella. Non, c'est très bien, ça a dans l'histoire et dans le lore tout un parallèle à faire avec les religions actuelles. Qu'est-ce qui est assez intéressant. Bah oui, clairement le jeu, les Warhammer, il sort pas de n'importe où les trucs. Hein. Surtout ce point-là sur la religion, en fait. Empereur s'est fait aduler par des milliards de personnes, etc. Alors qu'à la base, en fait, il voulait refuser toutes sortes de vénérations. De toute façon, on va en parler parce que moi, Madame ne connaît pas du tout les univers. Hein. Et je lui disais, en fait, c'est que de la satire, en fait. Qui a une grenade? Ouais, j'en ai fait deux. Ah, y'a un gros tal, hein. C'est bon, il est mort. C'est que une forme de satire sur tout. Hein. Même quand ils ont voulu sortir un truc qui n'est pas satire dans ce moment-là, finalement ils vont pas en sortir autant que crème. Ah, La réalité est
qui était une espèce de... Oula. Une espèce Leto, c'est plus ou moins les elfes de... Non, c'est... Ah, c'est les Eldar, pardon. Les Leto, c'est une race extraterrestre. En fait, ils font pousser ce qu'ils appellent l'Ancien Suprême. Donc, c'est vraiment le commun sur dans les villes, quoi. On dit mal de ce que c'est pas une race préférée. Ouais, voilà, dans les Eldar, ils ont bien ça, c'est vraiment une race. Pour muting. Donc, gaffe, il y a un muti derrière nous. Sauf ah la vache. Bouger, ils sont extrêmement bien, ils sont équipés de fait des administrations, ils ont des administrations, ça sera problème. Apparemment, le son est devenu pourri sur le live et ma confirme. Le son de tous sauf le signe est pas ouf. Ah zut. Alors attends, parce qu'en attendant, on meurt là. Oui, oui. En écoutant ce que vous avez dit, je vais arrêter de jouer avec un peu de mort. Je relève. Ça hache beaucoup, alors pourtant, chez moi, ça hache pas. Parlez un peu pour voir. Voilà. Ouais, non, pourtant, OBS a l'air de trouver que c'est pertinent. J'ai pas de lag particulier. Oui, je sais, c'est en train de regarder. Alors, il y a Chobiti qui rigole, mais ça doit pas être pour ça, j'imagine. Elle fait toujours, elle fait toujours, ouais, quand il parle. Oui, oui, elle me dit oui, oui. Merde. Alors, si vous me couvrez deux secondes, je peux essayer de faire quelque chose. J'ai pas l'impression que c'est le genre de jeu. Alors, c'est sûr que si vous continuez d'avancer dans tous les sens et que vous déclenchez les vagues, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Ah, ah oui, du coup. C'est pas trop le genre de jeu où c'est bien quand ça arrive ce genre de problème. Gatox. Alors, donnez-moi deux secondes. Ah mais j'ai un medipack. Déjà, premier test, est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, est-ce que c'est mieux? Louette, gentille. Je regarde ma liste qui est à droite de moi. Alors, est-ce que vous voulez c'est un medipack? Ça y est, c'est bon, c'est mieux. Ok, parfait. Et c'est confirmé par Usu et Ardarin sur et le désolé, chat. Mais il faut surtout pas hésiter à le dire, hein, quand c'est comme ça. Non, mais en fait, elle me faisait des signes depuis tout à l'heure, mais moi, comme j'étais concentré, je la regardais, je suis putain, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? En fait, avance, elle voulait juste me dire un truc. Salut Zuzuk, c'est vrai, exact. Bonsoir. Et elle me fait un doigt d'honneur, oui, bah je l'ai mérité. Bon bah parfait. C'est beau l'amour vache. C'est ça. Bon, théoriquement, ça devrait être bon sur le record si vous voulez regarder ces 5 minutes de séance en VOD. Me tire pas dedans. Je t'ai vu. Moi, je fais ce que je peux, hein. Vous êtes toujours au milieu des spéciaux, moi je fais ce que je peux. Puis surtout Catfox. Il est très très dur à éviter en tirant. Parce que oui, tu tires mal. Y'a rien en face là, y'a des gens pour toi là. Ouais, oh, bah, je voilà. M'occupe, attends. Faut arriver c'est à les vrai. Voir, hein. Tiens, oh, headshot. Lui c'est fait. Pas ah, tous. Reste pas trop tout seul quand même. En plus, si notre tireur ne sait pas regarder. Ah bon. Putain, je me suis fait fileter dans ton dos. Ah là, faut pas rester aussi loin tout le temps là. Ouais, c'est ce j'essaie de te couvrir, mais. Bah, c'est le problème de mon perso, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il est fait pour les spéciaux, ouais, clairement. Le problème il est entre le clavier et la chaise. Hein. C'est ça, exactement. T'es censé être un mec avec un fusil d'assaut, t'es censé courir et tirer dans le tas. Non, j'ai pas un fusil d'assaut, hein. C'est un fusil au coup par coup. Hein. Ouais, c'est un fusil d'assaut, hein. C'est un fusil ouais, mais c'est pas une mitraillette, quoi. C'est le fusil classique. Et sache que t'as l'impression que c'est une petite pétoire qui sert à rien, mais dans si on devait le transposer à notre armurerie actuelle, avec un coup de laser comme ça, tu fais éclater une colonne de béton de 30 cm d'épaisseur. Oui, j'ai vu que c'était très puissant, effectivement. Mais, ça perd bien la chair aussi. Mais ce qui est très bien, c'est que dans le lore, c'est genre l'équivalent d'arriver avec un couteau dans un combat, quoi.
Voilà, ouais. C'est vraiment la petite arme nulle. Bah, tout ça pour dire que je suis pas fait pour gérer les hordes, quoi, ou difficilement. Oui, pas le perso qu'il te faut, hein. Faut prendre le Hagrin, faut moins réfléchir. Par contre, les spéciaux, ouais, je les défonce pas mal, ouais. Bah, c'est un peu ton truc, t'es censé sniper rôle, ceux qui sont loin. Ouais. Mais en contrepartie, c'est dur des fois de suivre le groupe quand t'es posé. C'est ça, faut que tu vises les mecs loin, mais faut quand même que tu sois au milieu de nous, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ce magnifique sang buboneux. En tout cas, on pourra dire ce qu'on veut, les musiques elles sont super bien. Ouais, aux orgues, à l'orgue, c'est vraiment sympa, ouais. Qui c'est qui balance des grenades dans moi? Ils ont repris des sons de la et des musiques entières de l'OST de Mechanicus. Bon. Il y a quelques musiques qui me sont tombées dans l'oreille et j'ai fait ça c'est Mechanicus. C'est la meilleure OST. Ah, c'est vrai que l'OST de Mechanicus est épais. Oh putain, derrière. Allez. À terre, les gars. Allez. Couchez-vous. La musique Noosphère là. Et tous les sons qui ont un effet cathédrale ont été enregistrés dans une vraie cathédrale. Son cathédrale et tout, ça c'est bien classe, hein, avec les orgues et tout. Bah c'est une cathédrale française qui a fait les sons. Ah ouais ? Une orgue française, ouais. C'est classe. C'est le moment de rester groupé, je crois. Pour avoir notre Sougnes qui se recharge. Un Mauler, c'est quoi un Mauler ? Ah, c'est le mec avec sa tronçonneuse là. On va tellement récupérer. Un chien. Merde! Le yinche! Oui, bah je sais que t'es de mon côté, mais oh! Tu vois, quand t'entends les gens qui parlent, ils te donnent des informations un peu sur ce qui s'est passé. Ouais. Pour monter dans l'ascenseur. Ouais, j'arrive. Il y a besoin de munitions. Ça va pour l'instant. Au moment, ça va aussi. Non, ça va, j'utilise une munition par une munition. Ah, moi aussi, le pouvoir du vétéran est très très difficile à utiliser. Moi, c'est mon pouvoir spécial, c'est une mandale. Ouais, bah toi c'est pratique, ouais. C'est alors ça. Moi, il passe en mode en gros sniper avec plus de dégâts, ça dure 3 secondes. Tant que tu chopes un ennemi, en général ça s'arrête, quoi. En fait, tu verrouilles l'ennemi ou le boss ou le truc qui a plein de vie. Ouais, c'est ça. Tu lances et tu canardes. Ouais, mais bon, après, en dehors de ça... Alors moi, ça fait une petite vague psychinétique autour de moi qui met les ennemis à genoux pendant le temps qu'ils se relèvent. Moi, ouais, c'est un dash. Voilà. 5 balles, 5 morts. Des munitions un peu partout. Des munitions derrière, si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a des munitions partout. Hein. Ouais, bon, vas-y. Non, au fond, il y en avait aussi, Damned. Non, mais j'en ai plein. Hein. J'ai foncé sur le mec qui balançait le filet. Avec bonne la idée. Hache. T'as quoi, faut péter les trucs, là? Ouais. Ok. Aouf. Aouf. Pareil. Neutralise démonique. Voilà, là tu vois, ton truc, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Ok. Il est où le... Ah, il est là. Ah oui. T'as vite de le voir. Ouais, putain, merde. Pourquoi moi? Tu peux pas faire exploser son... Oui, il y a un gros truc, ouais. Ouais, on est d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on te dit, il faut que tu l'utilises maintenant. Bah, attends, je me recharge. Je suis à terre. J'ai un petit peu trop chargé mon pouvoir. Katox qui chante, c'est bien. GG. Il est pas beau, hein. Quelle sale gueule. Ouais. Dirais moi le matin. Avec la corne aussi. Ouais, pareil. Sauf que le pas sur le front. Tu peux continuer de parler sur Discord, mais tu éviteras de faire ce que tu ne faisais pas. C'est-à-dire, tu continues à ne pas me faire de selfie le matin. Du coup. C'est ça. Sur Discord. Ah, il y a une station médic ici. Ah, ça va être bien ça.
Ah, y a aussi des ennemis. Y a un mec tout là-bas qui lance des grenades. Grenade. Ah, moi il est mort. Pas le marquer, bon ok c'est bon. Alors. C'est tous ces gens qui poncent n'importe où. Incroyable. Nous sommes dans la subtilité. Exactement. Oula. Putain, je suis tombé. Help. C'est au bon endroit. Ouais, j'ai. Ah j'ai pas pris. J'ai sauté pas tout à fait au bon endroit, c'est exactement ça. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Hein. Non, mais il m'a poussé, le monsieur me tapait, il me poussait. Ouais, c'est ce qu'on dit. Vous pouvez trouver un escalier ou. Surtout que je suis suspendu dans le vide en plus. Ah, je me tiens à rien. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bien urbain. Ah, il a là pour le coup la hitbox, elle pardonne pas trop. Hein. Elle adore les décors. C'est vrai qu'on s'arrête pas trop sur les trucs, mais la fonderie est classe en plus. C'est ça qui est super bizarre dans les jeux, c'est que quand il n'y a pas ces décors, tu fais ouais bon, ils auraient pu faire un effort de décor, et puis quand il y en a un beau, etc. En fait, tu fais ouais, c'est cool. C'est pas pour ça que ça me le fait, il y a le viseur, ce qui est un peu embêtant parce que c'est un peu mon seul moyen de jouer. Le viseur, quand je mets le fusil devant mon œil, un coup sur deux, j'ai pas la cible au milieu, donc je vois pas où je tire en fait. Ah. T'inquiète pas, c'est au centre du viseur. Ouais, je sais, mais ça me l'a fait 2-3 fois. Ça. Tu fais comme la technique du noscope sur Counter-Strike à l'époque. C'est ça. Tu colles une petite gommette. Sans de ton écran, tu fais, je sais que le noscope il est là. C'est un peu l'idée, ouais. Ah, parce que là, c'est un peu chiant. Enfin, je vois à peu près, hein, mais pas trop quoi. Enfin, c'est pas ouf. Ce qui est bien, mais pas top. Entre ramasser les munitions et charger, tout va bien. Ah, ça y est, il est revenu, tu sais pas pourquoi. Vous attendez derrière le mur, toi, hein? Tiens. Derrière toi, Damned. Ah non, c'était pas Damned, c'était Annabella. C'est Annabella, il y a une station médicale là. Merci. Moi, c'est les petits icônes d'objets spéciaux, de coffres et tout, ils sont n'importe où sur l'écran. Du coup. Ah oui, moi aussi ils sont. Oh super. Oh putain! Ça va péter, Steam. Hein! Qui est-ce qui balance plein de grenades comme ça? Bah, moi, il y a une horde, c'est des grenades quoi, c'est la base. Je gérerai tout. Oui, mais bon, hein. Avec mon couteau que j'utilise à une main comme un couteau à beurre qui fait la taille de ton avant-bras. C'est ça. T'enlèves pas toi. J'aime donner des coups de hache dans les gens qui sont à terre en train de ramper. C'est ça important de les laisser, de leur péter les rotules pendant qu'ils sont à terre. C'est ça. Ah, vous en sortez? Ouais, large. Ça devrait aller. Parce que c'est avec la taille que j'ai avec le green, j'ai beaucoup beaucoup de chance de faire des headshots. Moi ce que j'aime bien avec Damned, c'est que son arme de corps à corps c'est une pelle US quoi. C'est clair. Et la petite pelle qui a des petites dents en plus quoi, histoire de ouais, bien pousser le truc. Ouais, histoire de faire un peu mal quand même quoi. Pelle de combat quoi. C'est ça. Une pelle qui fait la taille de ton avant-bras. Exactement. On pourra trouver une épée tronçonneuse, et là le spécial de l'épée tronçonneuse il est vraiment... Ah il est classe ouais. Il te le montre dans le tuto, ça donne envie. Hein. Ah bah. Ouais, clair. Bon, j'espère qu'il y aura une belle variété d'armes quand même à la sortie du jeu complet. Bah pour l'instant, je pense que t'en as 4 ou 5 de dispo. Je pense qu'au sortie du jeu, tu en auras un peu plus. Comme je disais, je pense que tu vas avoir des spécialisations de classe. Ouais. Donc, ouais tu vois, le Green Skullbreaker, à mon avis, tu dois avoir d'autres. Oui, on va dire que dans Warhammer, il y en a assez pour faire. Ouais, ça. Pour que tout le monde soit heureux, quoi. Normalement, ouais, dans le lore. Mais ça dépend ce que les développeurs ont choisi de faire ou pas, ça c'est le truc.
Ouais, je pense qu'ils ont quand même un bon budget sur ce jeu, hein. Globalement, Bah après le succès de Vermintide 1 et 2, je pense que... Ouais, c'est ça. Bah surtout aussi, c'est un jeu qui a de la ressource, hein. Au niveau du lore, au niveau des jeux de rôle. Oui, oui, c'est clair. T'as suffisamment de jeux de rôle qui en parlent pour pouvoir faire un truc valable, quoi. Surtout que eux, ils ont ce foutu jeu de rôle qui n'est toujours pas traduit en français et qu'on attend depuis 4 ans. Je suis deg. Bande de sadiques, nous dit Ardarine. J'ai l'impression qu'ils n'apprécient pas trop qu'on apporte la bonne parole de l'empereur. Attention, je sais pas où tu vas, Damned, mais tu vas tout seul. Ok. Tu vois, moi je dis, avec le Ogryn, c'est simple, la bonne parole, de toute façon, je sais pas parler. Si tu parles. Ouais, t'as vu la simplicité. C'est vrai qu'on dirait une voix intellectuelle de quelques-uns de mes élèves, mais quand même. Et bim! Oh, j'en ai l'habitude. Je ne suis pas connu pour mon amabilité. Ah, ou le lance-flamme! Je suis pas surpris. Ah, et le sniper. T'es arrivé derrière. Je gère la horde qui arrive devant. Bon, j'ai géré le lance-flamme. Ah oui, la horde qui arrive devant. C'est juste renversé à l'arrière. Pour vous gérer une horde, un bon truc, si vous la gérez au corps à corps, c'est de reculer un tout petit peu. À chaque je fois. Gère les militaires qui arrivent derrière, enfin militaires, c'est pas vraiment des militaires, mais. Ah si, si, c'est. Si tireur, quoi. Des gardes corrompus. Très bien. Alors ça peut être des FDP, comme ils disent souvent dans les livres. Les forces d'accord. De défense planétaire. Ouais, évidemment, des FDP, bien mais sûr. C'est la traduction littérale et je pense qu'ils bon, ils ont fait, bon bah c'est comme ça. Donc, ouais, je pense qu'ils ont profité pour un vol, quoi. C'est l'équivalent. Ça les arrangeait bien. C'est bah, en anglais, c'est. C'est quoi? En anglais, c'est les EDF. Ouais, EDF. Earth Defense Forces. Ouais. Voilà. Donc, dans certains jeux, tu te bats contre l'EDF. Ce qui est très très drôle quand tu es français. Bah, je sais pas si entre EDF et FDP, c'est ce qui passe le mieux quand tu es français. Hein. Dans une des séries, les fantômes de Gaunt, t'as un des personnages qui reste un bon petit moment d'ailleurs, qui s'appelle Mert. Aïe. M-E-R-T. Ah ouais, c'est dur. Surtout que moi j'ai toujours une collègue qui dit toujours Mert. Donc j'ai toujours sa voix dès que je lis ce nom de perso, j'ai toujours sa voix qui arrive en. Le démonique gross. Hein. J'aime pas le nom de ce truc. Ouais. Tu peux le pousser dans la lave ou comment ça se passe? Non, essaye de. Allez, je prends ce côté. Faut détruire les trois dans un temps proche. Il est mort. Merci. En train d'essayer de le contourner, mais. C'est un peu slanéchique, hein, ce truc qui sort du sol là. Non, c'est Nurgle. C'est Nurgle. Ouais. De la neige, ce serait beau, ennemis, ce serait la tentation, ce serait pas Twitch friendly quoi. Ouais, du mais tout. Bon, ça reste quand même un tentacule qui rampe par terre quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu trop buboniques pour être slanachides. Ouais, c'est quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des polypes, ouais. Des polypes. Monsieur. Mais pourquoi y a pas des jeux comme ça avec slanesh? Ce serait tellement mieux. Oh, je pense qu'il y en aura du slanesh. Mais quand tu vois déjà le drame qu'il y a eu avec Total War 3. Quand ils ont sorti les streamers qui jouaient avec Enkari qui se faisaient ban Twitch. Ah, tu sais qu'il suffisait d'afficher même juste comment il s'appelle des géants hein, pour se faire ban Twitch. Hein. Oui, dans la merde. Mais pourquoi t'es derrière encore t'es en train... Bah j'étais en train de vous rejoindre. Hein. Ah putain. Décède-toi. Et mini horde. Mini. Vas-y Katox, je te couvre. Un chien en fait, c'est le problème. Ouais, c'est un truc. Il y a des trucs explosifs qui arrivent là. Ouais, y a un bomber qui vient de passer. Ah merde, le clébard. Ah, on peut pas être partout. Ouais. En vous remerciant, ouais, j'ai pris une belle dose de corruption dans la gueule. Hein. Ah bah là, force de tomber. Hop, on va avancer par là-bas. Faut purger la démonique infestation encore. Je vois même pas ce que c'est l'objectif en fait. 86 mètres par là. C'est pas l'espèce de bah, j'imagine que c'est là où il y a le crâne à 70 mètres au hasard. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, mais
mais la stamina elle descend trop vite. Ah oui, ça c'est... Courir ou frapper, il faut choisir. Mon choix est tout fait. Merci de décéder. Pendant que vous êtes au sol là. Putain, mais... Non mais j'ai pas de cul moi. Y'a un mec, faites gaffe à lui là. Aou. Ouais, c'est lui qui m'a bien dans mon dos là, il m'a bien défoncé. Merci messieurs. Oh là c'est, là, putain, c'est... j'ai plus de vie quoi. C'est très bien, très, très bien fait parce que tu peux très bien t'en sortir sans aucun problème. Et puis en fait... Je prends deux coups, je suis au sol. Voilà, ça y est, c'est fait. Bah, encore mais... Ah bah là t'es définitivement décédé. Oui, bah c'est pas plus mal. Là t'es mort pour cause de décès. Ah bah le temps que je me retourne, vous êtes plus là, j'arrive, je me prends deux coups. Et on est en rescue, t'es en rescue dans 5 secondes donc ça va. Ça va passer. C'est ça. Allez, on redémarre le truc. Ouais, Twitch est tellement sensible que je me souviens que je m'étais fait strike l'espèce de monstre dégueulasse d'un des jeux d'horreur que je streamais là. Ah, il déconne zéro. Ah, ouais, chercher ouais. Chercher Damned. Damned, je suis là. Ouais, merci. Ne t'inquiète ouais. Pas, Damned. Vite. Ça arrive derrière. Merci. Help. Tu es sauvé. Help. Merci, merci. Merde, c'est pas le bon côté. Drame. Putain. Ça arrive, je crois. Ouais, je suis à terre là. J'ai été un petit peu trop tout seul. Ah mais eux ils peuvent sauter pour grimper quoi. Moi je peux ouais. Pas faire ça. Bordel. Eux ont la capacité de saut. Oh là il y a un peu de bordel là non mmh. Ça va, c'est de la petite saloperie, c'est juste que bon, voilà. C'est bon. Ouais, mais en masse quand même, hein. Ah bah de toute façon, la mission c'est clear the area, hein. Alors, ma spécialité, moi, avec ce perso, par exemple, je peux relever des gens, même en prenant des dégâts. Ah ouais, c'est cool, ça. Ça arrive par là. D'où par là? Ah oui. Bah c'est par ici. Les fouetteurs. Derrière aussi. Genre, ils apprécient pas qu'on réactive les fonderies, quoi. Quand même un petit peu abusé de leur part, je trouve. Ce qui est bien, c'est que quand t'écoutes un peu les briefings du lore et parfois les discussions entre personnes, t'apprends en fait que tu tentes de maîtriser cette cité ruche, mais en même temps que t'as un combat sur la planète qui se fait. Et en fait, ton rôle n'est pas du tout de sauver la cité ruche, mais surtout de garder son taux de production pour alimenter la guerre extérieure. Ah bah oui, on est d'accord qu'ils en ont rien à foutre des, ouais, là, des gens dans la cité. Pénale, hein. Rich extraction point, parfait. Alors, le extraction point, il est derrière. Allez, on avance, Annabella, là. Ah, mais y a derrière toi, Katox. Il y aura toujours des gens à tuer. Il y a encore des gens à purifier. Bah, ils vont se purifier. Je partirai pour une fois, c'est moi le premier à l'avoir passé. Hein. Voilà. Comme ça. C'est ça. Elle ne peut pas. Je crois qu'à 4, on a perdu, là. Est-ce qu'on peut se tirer sans lui? C'est ça la question. Ah, il a qu'à mourir. Allez-y, je tiens la porte. J'adore le knockback de cette arme, c'est vraiment fabuleux. C'est vrai que même à distance, c'est assez ouf. Mais c'est le principe en fait, c'est vraiment quand t'as un sniper ou un... Ah mais tu sais, qui vise de loin. On imagine un fusil à pompe, un truc du genre, mais en fait c'est plutôt un genre de lance-grenade quoi. Ah c'est Argats, un lance-grenade. T'attends. En fait, t'es toujours en retard, c'est dingue ça. Damned. Ah je couvrais, je fais mon rôle quoi. C'était trop bien là, un couloir, t'es planqué, ça arrive, c'est trop bien. Y'a un bouton appuyé non, un truc du genre? Ah oui là. Non. On tue des gens. Alors, si on était contre le mur gauche de l'ascenseur, eh bien on tirait dans le mur. Même s'il y avait, en fait il y avait un mur invisible. Oui, tout à fait. Je confirme.
Ah bah voilà, c'est sûr qu'il y a un peu plus d'XP quand on arrive à la mission, on va pas se mentir. Je confirme. On a fait un secondary objectif. Ah. Alors, un nouveau flingue. Moi j'ai un quick draw stub revolver. Je crois qu'ils ont réussi à... Le truc, on le traduirait en merdique revolver. Eh bah écoute. Ah, je suis désolé, Hardarin, ouais. Je tendance à beaucoup bouger sur la tête sur ces jeux-là, ouais. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que les missions, elles durent pas trop longtemps, parce que les missions de niveau 1, elles durent 40 minutes, donc on peut s'imaginer que les niveaux 5, elles vont durer 1h30. Non. Donc c'est pas si long que ça. De quoi on rase le bide. Ah oui, c'est toujours conçu pour durer une quarantaine de minutes. Parce d'accord, que t'as un problème, en fait. Tes munitions, tout est mesuré, et plus tu montes dans les niveaux, moins t'as ces munitions. Et donc en fait, plus tu dois en même temps être précis, en même temps être rationné avec ce que tu fais, et plus tu dois aller vite. Et en fait, c'est tout le paradoxe du truc, c'est que si tu veux bien réussir une mission à haut niveau, tu dois aller vite. Tu peux pas prendre du temps. D'accord, en fait, c'est à peu près une demi-heure à chaque fois. C'est à peu près une demi-heure, ouais. Sur les niveaux plus hauts, ouais, tu peux compter 20-25 minutes parce que tu dois tracer, mais les derniers niveaux, tu dois faire avec une team de 4, organiser, c'est connaître un peu la map et vraiment s'organiser bien, quoi. Un peu comme nous, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on est parfait pour du niveau 5. Hein. On terminera la mission du plus haut niveau disponible, tu verras. Si vous avez des mal avec les FPS, je pense qu'il faudrait même pas que vous essayiez la VR, hein, parce qu'à mon avis. Alors en fait, le problème, c'est surtout de regarder, en fait. C'est le bit sight. C'est ça qui. Peut-être si aussi, ouais. Si tu bouges vite la caméra, ça va te faire des bruits de pixels. Oui, mais Ah, et puis il faut dire que c'est du 30 FPS. Je pense que c'est plus dur encore pour le cerveau, peut-être. Non, même quand t'es en train de regarder quelqu'un jouer, vu que tu t'anticipes pas, en fait, contrairement à la personne qui joue, t'anticipes pas les mouvements dans lesquels il va bouger. T'es en train d'aller à gauche, puis un seul coup tu repars à droite, tu vas en haut. Enfin, t'anticipes pas du tout. Ça me fait pas, ça. Du coup, si t'as pas l'habitude des FPS, bah quand tu regardes quelqu'un jouer, ça te file la gerbe. J'ai l'habitude des FPS après, c'est pour ça. Mais moi, je sais que jouer et ça me fait rien. Chobiti, elle en fait très peu des jeux de ce genre, mais tu vois, même moi qui ai quand même un peu d'expérience, quand je la regarde trop longtemps, ça me file la gerbe. Ah ouais. Putain, motion sickness. Ouais. D'ailleurs, un truc en plus dans les hauts niveaux, à partir du niveau 4, tu peux avoir des affixes, donc des modificateurs de niveau. Par exemple, si tu regardes sur la présentation de mission. Bon, elle disparaît dans 30 secondes, mais t'en as une, c'est mode Endless Horde. Et donc, en fait, quand t'as une horde, t'en as vraiment beaucoup plus. Genre, t'as deux ou trois fois la taille de horde en mob. Et donc, il faut adapter la team par rapport à ça. Parce que tu te dis, ok, je peux pas donc... tu sais, ça sert à rien de prendre deux spécialistes. Parce que du coup, tu vas te faire défoncer en 2-2. D'accord. Donc vraiment, c'est comme dans les autres, en fait. T'as vraiment une notion où quand t'arrives au niveau, faut vraiment chercher les petits détails. Alors tu peux y aller un peu plus franco, etc. Mais si tu veux vraiment monter dans les niveaux les plus durs, bah, il faut vraiment s'organiser. Vous voulez en faire une autre? Bah écoute... Ouais, une dernière pour moi. Mais la dernière note que t'as pas faite. J'arrête le niveau 1. Ouais, j'arrête la VOD là. Donc si vous voulez dire au revoir, Ditch, pour un petit coup. Bisous. Bisous. Ciao, ciao, la VOD.